Happy Bonsai, c'est une application que j'ai créée qui est destinée à gérer sa collection de bonsaï avec tout l'historique, les interventions que vous pouvez avoir, votre galerie photo, pour avoir un suivi et un historique complet de votre collection de bonsaï. Que ça soit les arbres en eux-mêmes, les pots, les roches que vous utilisez pour vos montages sur roches et aussi les outils pour avoir l'entretien des outils et avoir une valeur totale de sa collection. Ça permet d'avoir un historique et de planifier toutes les interventions et tout ce qui existe dans le bonsaï. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette application ? Eh ben, l'idée, elle est toute bête. J'en avais besoin. Ça fait des années que je fais du bonsaï. J'ai jamais eu d'application. J'avais des carnets, j'ai tout essayé, des tableaux, des tableurs Excel, plein de choses comme ça. Et le souci, c'est qu'on est vite un peu débordé. On n'est pas rigoureux. Faut un ordinateur, faut tout ça. Donc, chercher une application et j'en ai jamais trouvé. Après, moi, j'étais un petit peu dans le digital, hein, j'ai fait un peu d'expérience comme ça et je me suis essayé à voir ce qu'on pouvait faire soi-même et j'ai décidé de la créer. C'est la première application française et par contre, elle est internationale. Elle est traduite en 20 langues aujourd'hui. La première, ça a été le français, on a fait l'anglais et après, ça s'est vite décliné pour que tout le monde puisse en profiter parce qu'il y a des communautés un peu partout dans le monde, des communautés qu'on ignore ici un petit peu, comme aux Philippines, au Vietnam, en Inde. Il y a une communauté qui est grandissante, en Australie il y en a beaucoup. Là je m'en rends compte aujourd'hui avec les statistiques de l'application. Maintenant avec les téléphones on peut savoir où vous êtes situé géographiquement, donc on détermine une zone climatique. Et l'objectif, c'est de pouvoir assister en fonction de cette zone, en fonction des espèces qu'on cultive, en fonction de la collection, d'avoir des aides, par exemple, sur la composition des substrats, on peut avoir des aides sur la fertilisation, par exemple. Sur Internet, on trouve plein d'informations. Il y a sur YouTube, par exemple, il y a énormément de YouTubeurs qui donnent d'excellents conseils, d'ailleurs. Mais quand on habite dans le sud-ouest de la France, vous imaginez bien que celui qui reçoit l'information, qui est belge, qui est francophone belge ou francophone Canada, Québec, il ne va pas avoir confronté aux mêmes conditions. On le voit sur les mêmes besoins. On le voit sur les arbres qui sont cultivés au Vietnam ou dans des pays comme ça, où on a l'impression que ça pousse dans des sacs de ciment. Ils n'utilisent pas du tout de la kadama ou de la pumice comme chez nous. Donc, il faut que ça s'adapte. Et on peut, en fonction des substrats qui sont en possession de l'utilisateur, de l'origine de l'arbre, sa situation géographique, on peut mixer un besoin et faire des calculs avec des algorithmes qui sont en train d'être créés aujourd'hui, qui sont en phase de test. Et on pourra déterminer, personnaliser la composition des substrats, par exemple. Il y a à peu près 800 espèces qui sont inventoriées dans la base de données. Et à chaque fois qu'un utilisateur ne trouve pas son espèce, il va l'ajouter. Il va juste ajouter le nom. Et après, nous, on va faire des recherches sur cette espèce déjà valider que ce soit bien un arbre, on va regarder ses fiches, ses caractéristiques techniques, scientifiques, et on va mettre à jour une fiche, ça va mettre à jour l'espèce de l'utilisateur. On va rechercher aussi il y a des bases de données où il existe tous les cultivars, les variétés, et on va enrichir cette base de données, on va créer une fiche sur cet arbre avec tous les cultivars, en général, on s'arrête à 200, les principales qui sont utilisées en bonsaï en tout cas. Les principaux. Les principales variétés. Ok, ben c'est super. Mis à part ça, Happy Bonsaï aujourd'hui, il y a une version gratuite que tout le monde peut utiliser et des versions payantes. Et alors la version gratuite, elle se compose de quoi et elle fonctionne comment ? Alors la version gratuite, c'est simple. C'est exactement la même que la version payante. Okay. Donc, si vous essayez l'application, vous aurez absolument toutes les fonctionnalités. Toutes les options sont dispo. Toutes les options, voilà. Toutes les fonctionnalités et options qui sont disponibles en version payante sont disponibles en version gratuite. La seule différence, c'est qu'il y a un nombre limité d'arbres. Si vous avez une collection, on ne va pas demander à quelqu'un de s'abonner s'il a 3 arbres chez lui. Il peut prendre carnet, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais pour quelqu'un qui a une grande collection, et c'est d'où l'intérêt de l'application, c'est de gérer une grande collection, avoir une vue globale de sa collection et pour éviter les oublis, etc. Donc dès qu'on dépasse 5 arbres, 5 pots, 5 outils, 5 roches. Ah oui, d'accord, c'est 5, voilà. Poterie, suiseki, donc les roches de manière générale. Les roches, et les arbres. Voilà. Ça fait 3 catégories. Voilà, 3 catégories et les outils, l'outillage. Ah, l'outillage, c'est une catégorie ça en fait, elle-même aussi. D'accord. C'est une, voilà, parce qu'il y a des personnes qui veulent entretenir leur outillage. Puis en plus, comme il y a dans l'application, on a une synthèse de ce que coûte une collection.
Vous pouvez mettre le prix d'achat, etc. Et ça vous calcule un petit peu soit votre budget ou en tout cas la valeur de votre collection. Et tu seras présent, on peut l'annoncer, à Bonsaï Culture Expo Oui, je te pour remercie l'instant. beaucoup pour l'invitation. C'était Tu pourras, c'est incroyable ben de. ça me fait très plaisir parce que moi je suis très content, l'application est française et moi je me dis voilà, c'est une initiative, c'est nouveau, c'est français, il n'y a aucune raison de ne pas l'aider et de faire monter, moi je suis très content. Et moi On peut aussi. annoncer, on peut le dire, tu offres aux 500 premiers qui prendront le pass VIP, Oui, sur les. Alors, tu ce qu'on offres a. quoi? Alors, sur les 600, 5 ou 600, je crois C'était qu'il y en a 500 parlé, je personnes, crois ouais. 500 personnes, qui prennent l'entrée VIP. Donc, ça va être les 2 jours avec. Ben, voilà, ils ont tout, pas mal de Il y a cadeaux des cadeaux, des avec. goodies, il y a surtout Voilà. le livre de l'expo de l'année dernière qui est compris dedans, etc. Voilà, il y a tout ça. Et en plus, j'ai rajouté un abonnement de 1 an. Un an, d'accord. Un an d'abonnement à Gratuit. tout. Gratuit, oui, bien Un an sûr, gratuit. bien sûr. Et après, sur tous les visiteurs, ceux qui achètent les places Et qui à sont présents, quoi, l'unité et qui oui. seront présents à l'expo, auront 6 mois d'abonnement gratuit. Super, Voilà, c'est génial. pour tout le monde. Imaginons que c'est un de tes arbres. Et ben, c'est parfait. Ben, c'est très très simple. En fait, on va allumer l'application. On peut dire de comment il est à l'origine, s'il est à l'origine d'une bouture, d'une marcotte, soit d'un semis ou d'un prélèvement Yamadori. Voilà, on peut avoir la date du plan, etc. On peut associer un pot. Ça, c'est tous les pots qui sont en ma possession dans ma collection. Là, on va prendre une photo. Alors, on peut faire soit sélectionner une photo qu'on a déjà, soit un appareil photo. Là, on va prendre la photo. Hop, je te vois la caméra. Tu seras sur mon album de cet arbre. Voilà. Utiliser la photo. Et Et on l'ajoute dans on l'affiche. sauvegarde. Voulez-vous ajouter ce nouveau bonsaï à la collection? Ok, le nom est obligatoire, évidemment, il faut lui donner un nom. Donc on va l'appeler le charme. Charme du parc. Voilà. On sauvegarde. Les photos, on peut lui mettre une petite légende. Donc là, on va marquer que c'est aujourd'hui. Voilà, on marque ce qu'on veut, hein. On peut changer la date, etc. La légende est modifiée. On va retrouver sur cette fiche donc le pot que je lui ai attribué, toutes les spécifications. Là, j'ai l'inconnu parce que je ne l'ai pas marqué. Mais effectivement, ça va venir assez rapidement qu'on puisse sauvegarder toute sa base de données. Aujourd'hui, elle est sur des serveurs où c'est sécurisé. Il n'y a aucun souci. Vous n'allez pas perdre vos données, etc. On ne les volera pas. Je ne les revends pas. Elles ne sont pas prêtées. On ne diffuse pas d'informations, etc. Elles sont vraiment personnelles. Même moi, je n'ai pas accès aux données des utilisateurs. D'accord. Donc voilà, c'est complètement sécurisé. Donc le développement, le futur de l'application, c'est la connexion avec les alertes météo. C'est une des fonctionnalités, oui, qui va être intelligente, qui va rendre la culture intelligente et l'emploi des outils digitaux d'aujourd'hui, vraiment avoir un domaine traditionnel de bonsaï et aussi la modernité qu'apporte aujourd'hui. On arrive même à l'intelligence artificielle et voilà, on va sur cette voie-là et c'est de l'aide, c'est de l'assistance, c'est pas ça qui va vous rendre meilleur, ça fera pas le travail à votre place, mais ça va vous aider au moins sauver vos arbres et de mettre, mettez pas votre collection en péril ou donnez-vous en tout cas toutes les chances de réussir dans votre culture. Téléchargez dès maintenant l'application sur l'Apple Store et le Google Play Store et venez me voir sur mon stand Happy Bonsai lors du Bonsai Culture Expo qui aura lieu au Parc Floral ici même le dernier week-end du mois d'octobre et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout et en plus vous repartirez avec 6 mois d'abonnement gratuit à l'application.